Initiating system 1. System 1 loaded. Et hey, ho yo, c'est Gunshu. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Blood and Soul pour commencer mon aventure. La dernière fois, pour la création de personnage, je suis vraiment désolé. J'ai, comment dire, pas assez réduit le son du jeu. Donc voilà, donc j'ai rajouté des sous-titres pour illustrer ce que je disais, parce que sinon on n'entendait pas, et après quelqu'un va râler, je pense, qu'on n'entend pas. Donc voilà, donc pour ce faire, j'ai réduit le son à peu près, on va dire, pas mal. Donc voilà, donc c'est parti, allons-y, allons faire... Wow, c'est le temps. Du clan de Hong Moon. Scarabée! Oh, une vraie larve! Le soleil est déjà levé! Allez, debout! Ah. Quand même! Attention! Ok! What? Qu'est-ce que c'est? On va aller comme ça. Petit scarabée, encore au lit? Ça ne te ressemble pas? Vite, habille-toi! Maître Hong veut tous nous voir! Ok. Comment veux-tu que je le sache? Dépêche-toi. Appuie sur Z, Q, S et D pour aller prendre ton uniforme. Ok. Cherche-le à l'aide de la souris. Appuie sur échappe ou maintiens Alt enfoncé pour afficher le curseur. Ok. Tu devrais te préparer... Je crois que ton uniforme est sur la commode. Appuie sur Z, Q, S et D pour aller le prendre. N'oublie pas, maintiens Alt pour voir le curseur. Ok. Ah mais c'est en... ok, c'est en... Je crois que je dois changer les paramètres. Mon changement de paramètres... Alors, interface... non, c'est pas ça. Non. Paramètres. Raccourci clavier, ok, alors... Conflit de paramétrage de raccourci.
Conflit de paramétrage de raccourci. Voilà. Est-ce que E est pris ? Ok, ça sera ça. Après je verrai pour les autres choses. Ok. Du moins avec ça, je pourrais bouger comme je veux. Ok. Donc là on va s'appuyer sur F. Ok, on va s'appuyer sur F. Ok. Alors, un terre, hop. On met ça là. Ok. On a quand même un personnage dans... Je sais pas, on peut pas faire ça. Ah si. On dirait un peu Renji, on va dire, de Bleach. ouais, j'ai même pas fait exprès. Allons voir si Gil Hong est réveillé. C'est toujours le dernier levé. Ok. Petit scarabée, tu dors? Pas encore réveillé? Si tu as manqué ce que j'ai dit, appuie sur J pour accéder au journal de quête. Ok. Alors qu'il faut que je la suive, ok. Ok, on va réveiller. Le soleil se lève, et moi aussi. Reprenons le combat, petit scarabée. J'ai presque gagné hier. Girafe, le mec. Tu es en retard, petit scarabée. Que je ne te prenne pas à traînasser. Le maître organise une réunion devant ses quartiers. Lu Sung est en vadrouille. Jin Yong et toi devez aller le chercher. On commence dans quelques minutes. Vite. Ok. Ok, ok. Tu devrais suivre Jin Yong. Ok, bon, on va en suivre. Wouhou! Wouhou! Le ciel s'assombrit. Lu Sung ! Frère Lu Sung ! Tu es encore ici ? Tout le monde t'attend ! Oui, j'ai un peu tardé, c'est vrai. Eh bien, notre scarabée s'est levé aux aurores. Avec mon aide, je précise. Qu'y a-t-il ? Habillée en blanc dans le ciel. Toi, tu n'es pas réveillée. Non, elle était là. J'en suis sûre. C'est quoi cette fille ? L'oiseau qui salue l'aurore est le premier à boire son seau. Ceux qui s'entraînent dur sont récompensés. Ton jour viendra, petit scarabée. Bientôt le mien aussi. Allons à la cour d'entraînement. Ok.
Ok. Ok, ok. Wouhou, je vole. Ok. Bon, ouais. Je vole. Ok, bouge pas là. Le maître veut te voir. Ne le fais pas attendre. Ça, ça me rappelle un truc, j'ai regardé l'animé, on va dire, Blood and Soul, pour patienter, et franchement, il est hyper bien, donc je le conseille. Et c'est vraiment tiré, on va dire, de ma classe, parce que normalement, c'est le maître d'épée, normalement, donc voilà. Enfin, normalement, si je me souviens bien, ouais. Le maître d'assassinat, je m'en rappelle plus. Mais je crois que c'est ça, ouais. Ok. Tout le monde est là ? Ouais, bien. C'est ça. Venez tous près de moi. Plus près. J'ai une chose importante à vous dire. Et ma voix n'est plus aussi vigoureuse que jadis. Autrefois, le clan des Hongmoon était connu dans tout le royaume des vivants. Des gens du monde entier voulaient apprendre nos techniques, les arts de Hongmoon. Je ne peux plus enseigner à autant d'élèves qu'avant. Seul un petit nombre d'élus peuvent suivre la voie de Hongmoon. Nos techniques sont puissantes. Seules les âmes charitables et honorables en sont dignes. Pour suivre la voie de Hongmoon et en connaître les secrets, vous devez être généreux, intègre, aider ceux dans le besoin et combattre l'injustice. Telle est la voie de Hongmoon. Je ne prends pas les arts de Hongmoon à la légère. Je ne donnerai le livre de compétences qu'aux élèves prêts à suivre la voie. Alors, entraînez-vous et respectez-vous. Avec le temps, vous y arriverez tous. Mais où en étais-je? Ah oui, petit scarabée. Viens avec moi. Ok, allons-y alors. Tu es là depuis un moment, n'est-ce pas? Je crois qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Prends le livre sur l'étagère, il te servira pour affiner tes compétences. Ok. Ok. Ok, d'accord. Ouh, tout ça. Je te confie ce livre. Il ne te sera pas utile tout de suite. Mais au fur et à mesure que tu progresseras, il t'enseignera de nouvelles compétences et techniques. Qu'il te serve de guide sur le chemin de l'apprentissage. Avec ce livre comme guide, tu peux commencer ton apprentissage des arts de Hongmoon. J'aime passer du temps avec mes disciples. Mais je suis malade. Yong Monk est un excellent enseignant. Rejoins-le avec le livre à la cour d'entraînement. Écoute et travaille dur. J'ai confiance en toi, petit scarabée. C'est quoi ce chien? Ah, mais guette. Ok. C'est vrai, là. Ouais. Alors, appuyez sur M pour ouvrir la carte. Ok, je dois aller ici. Je vole! Enfin, plutôt je plane, ouais. Voilà. Je veux parler au monsieur, je crois, là. Alors, pourquoi le maître voulait-il te voir? Vraiment, le livre de compétences est donné aux disciples prêts à passer à l'étape supérieure.
Le livre que le maître t'a remis décrit les compétences à acquérir pour devenir membre du clan de Hong Moon. Ok. Ce qui veut dire que désormais, tu fais officiellement partie du clan. Félicitations, petit scarabée. Je superviserai moi-même ta formation aux arts martiaux. Ok. Tu auras besoin de ton arme. Équipe-la. On va équiper l'arme, alors. Hop. Celle-là, je suppose, voilà. Après, voilà. Merci, merci, merci. Arigato. Allez. Je vais frapper qui ? Ne baisse pas les bras, petit scarabée. T'es peut-être devenu disciple, mais t'es corvée de lessive. Alors foiré. Ok, d'accord. J'espère qu'on pourra continuer à s'entraîner ensemble. Mais bien sûr. Oh, c'est merveilleux. Je suis fière de toi. Ah, merci. Ça vient du fond du cœur. Merci. Allez, là, là, et maintenant on doit faire peur. Commençons par les rudiments des arts martiaux. Ton adversaire doit être visé et à portée pour que tes compétences soient efficaces. La plus puissante des compétences est inutile si elle n'atteint pas sa cible. C'est pas faux, c'est pas faux. Les compétences de base du maître du sabre sont brise, bourrasque et tempête. Vise un adversaire et les compétences disponibles s'afficheront en bas de l'écran. Ok. Fais un clic gauche pour lancer brise, bourrasque ou tempête et augmenter ta concentration. Celle-ci te permet de lancer des attaques plus puissantes. Ok, d'accord. Alors... Merde, c'est pas ça. Quoi, ce piaf? Ok. Beau travail, petit scarabée. Poursuivons l'entraînement, tout ça me semble prometteur. Ton prochain défi sera plus corsé. Tout disciple de Hong Moon doit passer par la caverne des épreuves. Cette épreuve représente la peur qui existe en nous tous. Pour mériter ta place au sein de Hong Moon, tu dois vaincre cette peur. Je t'accompagne à la caverne, mais tu y entreras sans moi. Ok. Ouh, j'atteins le niveau 2. Moi, je joue pas plus vite avec son truc, là, le truc de voler. Ok, il faut aller... là-bas. Ok,
C'est parti, allons-y. Wouhou. Ok, là c'est des pantins. What the... Ok, l'autre en fait c'est les coups normaux, ok d'accord, je vais... Voilà. Ok, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, c'est qui lui ? Mais c'est qui ? Putain, le mec carrément il m'a mis Maître Hong doit avoir confiance en toi. Prends le temps de réfléchir et reviens me voir. Ok, l'entrée lunaire, chouette. J'appuie sur la table. Okay. Après... Sortez de la caverne, déjà. Je pensais que s'il y avait quelque chose à faire. Bon, pour sortir. What the... Ok, c'est ça. Ok, d'accord. De la caverne, voilà. Non. C'est pour toi que tu devrais t'inquiéter, ma jolie. Wow. Ouais, je l'aime pas. Vous allez me dire où se trouve l'épée. Jin Soo-yeon, tu es vivante? Oui, je suis désolée de vous décevoir. Yura, Gubong. C'est parti pour le fight!
Tiens, mange. T'as le maître. Décevez, maître. Je m'attendais à mieux. Visiblement, le poison que vous avez bu a été efficace. Du poison? À mon insu? Mais pourquoi? Bonne question. Ne serait-ce pas à vous d'y répondre? Mais je crois que même sans cette ruse, vous auriez été surclassé. Vraiment? Alors c'est ça les légendaires arts de Hong Moon? Oh l'enfoiré. Écarte-toi. Voilà l'épée. What the fuck? Oui, enfin vous vous dévoilez. Je le savais, votre pouvoir n'a pas décliné, Hong. C'est bien le mien qui est illimité. Votre clan mourra avec vous. Vous pouvez le sauver, mais tout dépend de vous. Maintenant, laissez partir mon élève.
triste. Je peux l'achever si vous voulez. Pas la peine. On ne survit jamais à la rose noire. Réveille-toi, je t'en prie, tu es notre dernier espoir. Arrête-la. Arrête, Jin Soo-yeon. Hey, ça va? Vous m'entendez? Hey, allez, réveillez-vous! Voilà. Ok. Putain. Voilà, c'est comme dans le manga. Perso, allez le voir. Je pense que si vous aimez le jeu, je pense que vous aimerez l'animé. Donc voilà. Donc si j'arrive à trouver des liens de l'animé, je le mets dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà. Donc je vais essayer. Chargement. Ok. Et là, on va dire que il y a eu un, comment dire, un bug, donc voilà. Donc je sais pas ce qui se passe après. Donc normalement, c'est bon. Normalement, après le, ça revient sur le menu. Donc après, on n'a plus qu'à charger sur le serveur. Donc voilà, ben on se retrouve plus tard pour un autre épisode de Blood and Soul. C'était Gancho. Bye bye.